Tutenau de la Valle, la Madonna des Fenestres, est l'endre magie de la Vésubie. Est sicuramente l'endre le meilleur pour faire vivre la polyphonie. En Vésubie, est mai qu'une tradition, plus là où une art de vivre. Festenau dei Tresvus recebiez le groupe Curmai. Vesin des lingues et des montagnes, le trio présente des chants italiens. On a choisi ce nom-là parce que le répertoire, les chants qui composent notre répertoire, ce sont des chants qui portent des histoires et des revendications. Et Curmaia, c'est le nom de la fête des Mondines, ces femmes qui travaillaient dans les rizières pendant 40 jours. À la fin de la monde, elles pouvaient, et elles le faisaient, elles exigeaient du patron qu'il paye la curmaia. Curmaia, curmaia, patron, paye-nous la curmaia et si tu ne nous la payes pas, nous te couperons ce que tu as de plus précieux. Lavoratoria vai, direttore canto di questa mia canzon che sa di pianto e che ricorda un bardo giovin e per amor di voi sfido la morte a te caserio ardea nella pupilla delle vendette umane la scintilla. On est des passionnés d'histoire de chants populaires qui utilisent le chant populaire pour aller au-delà de l'histoire officielle. C'est l'histoire des anonymes, ça va être l'histoire des femmes, ça va être l'histoire des travailleurs, des travailleuses, ça va être ces petites histoires qui ont fait la grande. Ah, il y a des canzons d'amour, mais il y a aussi des canzons politiques, des canzons de Mondines qui montrent un peu le pouvoir del padron, comme si dit en Italie, et delle Mondines. Vi dire, gioia mia, quanto si bella quando ti spori prima di curcari e temo che non fossi così bella caro che non m'avessi non pari la sala porta mi sa spaccazzetta che giusta notti ti vengo a trovare. Les chants sont chantés dans plusieurs dialectes différents. On fait un effort pour essayer de reproduire de la façon meilleure les dialectes des différentes chansons. Et il y en a aussi en italien. La canzone finalmente racconta un po' quella storia entra le gente che sono incrustate dalle rotte della montagna, ma finalmente si ritrovano sulle cuole e sulle montagne.